des choses à nous dire. Et pour cela, Pierre, trois invités nous ont rejoints. Ce projet, c'était de redonner un souffle nouveau à l'endurance. De retrouver un peu l'âge d'or qu'on a pu connaître dans les années précédentes. On voulait à la fois quelque chose qui soit attractif pour les constructeurs, mais aussi pour les fans. Mais le partenariat avec Michelin et l'endurance avec Le Mans existe depuis très très longtemps. Et on est très heureux que Michelin soit le fournisseur de cette catégorie hypercar qui est la top catégorie en endurance. À partir du mois de novembre, lorsqu'on a été choisi pour équiper la catégorie, il y a eu une phase de deux mois de conception où on a commencé à réfléchir à ce qu'on pouvait mettre dans le pneu. Sur les trois mois suivants, on a eu pas mal d'échanges entre l'équipe de simulation et de conception. On partait d'une feuille blanche, une nouvelle catégorie, de nouvelles voitures. Il a fallu créer un pneu pour ce type de véhicule. Donc quand on démarre comme ça une catégorie de zéro, on commence par étudier les règlements techniques, échanger des données avec les constructeurs sur des premières simulations pour estimer quelles seront les évolutions en termes de charges et de contraintes sur les pneumatiques. Le temps minimum en urgence, ce serait un mois pour la conception pure. Suivant cette phase de conception, on caractérise ce pneu virtuellement. Parce que les véhicules n'existaient pas, donc on ne pouvait pas tout de suite aller sur un circuit de tester ces produits-là. Ce qui s'est vite révélé sur la catégorie hypercar, c'est qu'il y avait une augmentation notamment de la masse des véhicules, ce qui entraîne une énergie bien plus importante sur les pneumatiques. On a dû reconcevoir nos pneus pour pouvoir encaisser ces charges supplémentaires et pouvoir assurer une longévité des performances. Donc on les a caractérisés virtuellement, on les a testés sur simulateur. Il y a eu quelques allers-retours entre la simulation et la conception. L'échange est perpétuel entre nous, nos équipes internes Michelin et les constructeurs pour pouvoir reboucler en permanence suivant les résultats qu'on obtient, savoir si ça satisfait les constructeurs, si ça répond aux exigences de performance et de longévité sur nos tests internes notamment. Ok, I say like Michelin also we from car design start everything in CAD. Partly it's done on the aero department where we start to work with the surfaces with the car look like. It depends partly on regulation, partly on the freedom of the designers.